Bonjour, merci d'être là. Bonjour, et mon invité qui déjà me dit bonjour. Je vais vous le présenter dans un instant. C'est un personnage. C'est un personnage qui a beaucoup d'humour. C'est un personnage haut en taille et en talent. On va passer une heure en sa compagnie et ça va être absolument délicieux, croyez-moi. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, vous avez raté Elise et Moon, ça c'était samedi, et dimanche c'était la comédienne Sandrine Bonnaire. Bonjour Elie, est-ce que votre patronyme a été lourd à porter? Non, je trouve que ça sonne bien, et ça claque bien, Elie Semoun. Normalement, il y a un H dans mon nom de famille, c'est S-E-M-H-O-U-N, mais je l'ai enlevé. Alors je me suis fait engueuler, mais par tout le monde. Tonton Daniel, tata Thérèse, tout le monde. Mais pourquoi t'enlèves le H? À la mort de votre mère, vous avez 11 ans. Est-ce que vous avez été associé à son deuil? Pas du tout. Elle est morte d'une hépatite B. Ça s'est passé en deux ou trois semaines. Et comme toujours, voulant protéger les enfants, mon père nous disait, et ma mère même, disait « Non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. » Bon, tout va bien, mais au bout de trois semaines, elle était morte. Vous la cherchez encore? Ouais, je la cherche encore. Et je pense que je suis victime d'une sorte d'obsession romantique. Et ça, c'est pas bien, parce que le romantisme, c'est pas la vraie vie. Est-ce qu'on peut être seul et vivre heureux? Moi, j'arrive pas à être seul, c'est impossible. Enfin, pourtant, ça fait 9 mois que je suis seule, mais je le vis très mal. Je déteste ça. Vous voyez, mon spectacle s'appelle « À partager ». Ma vie, ça doit s'appeler « À partager ». Vous partagez parfois sur les réseaux sociaux des sketchs anciens avec Dieudonné. Oui. C'est de la nostalgie, ça? Je continue à penser que c'est du gâchis. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est allé vers la politique et pourquoi il n'est pas resté, justement, dans l'humour qui est tellement plus efficace pour dénoncer tout. À partir du moment où j'aborde son antisémitisme, Alain Soral, tous les types bizarres qui tournent autour de lui, tout devient ambigu et pas clair. Donc son discours, j'arrive pas à le saisir. Comme je le connais par cœur, je sais qu'il esquive, donc je me dis que ça ne sert strictement à rien. Je vais pas réussir à le déradicaliser, je pense. La question que vous aimeriez poser à François Hollande. Est-ce que tu aimes plus la France que toi-même? La pire approche de drague, selon vous? Franchement, mademoiselle, vous êtes trop bonne. Hein, bonjour Sandrine. Vous pensez être une bonne comédienne? Je suis pas la pire, en tout cas. Le regard sur vous a changé grâce à la notoriété ou à cause de la notoriété, même dans votre famille? Parfois, ça peut fausser les choses. Il y a certains membres de la famille qui ont un petit souci avec ça. Ils m'accordent un pouvoir que je n'ai pas plus que ça au sein de la famille. Et donc certains, quand ils sont en colère, me disent « Oh, mais c'est pas parce que tu fais du cinéma » ou alors toi, tout le monde t'écoute parce que tu fais du cinéma. Donc parfois, j'en souffre. Je me sens un peu orpheline par moment, comme si j'étais pas une vraie sœur. Là, on vous voit. Franchement, on vous retrouve bien quand même, non? Oui, j'ai pas changé. J'ai pas vieilli. Hein, pas du tout. Est-ce que vous avez été rebelle? Oui, j'étais rebelle, mais une rébellion d'adolescence. Je pensais que les bourgeois étaient des cons. C'est ridicule. Vous les fréquentiez pas? Non, je les fréquentais pas. Je les ai fréquentés après. Et on vous dit souvent que je suis devenue une petite bourgeoise. Oui, ce qui est vrai, je me suis embourgeoisée. Après, je pense que c'est important de pas l'être dans sa manière de penser. Je ne me tais pas, et de moins en moins d'ailleurs. Je pense qu'on est dans un monde bien trop docile, une docilité qu'on nous inflige de plus en plus, que ce soit dans les médias, que ce soit politiquement, que ce soit artistiquement. Tout est fait pour nous faire taire. Voilà. Trop de lycée, le monde à l'envers, C'est jubilatoire de chanter. J'adore. Je chante pas bien, mais je m'en fous. Jetez un œil en haut, voyez ce qui se passe en bas. Une habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Ne plus avoir peur des ascenseurs. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Des enfants. À quelle occasion mentez-vous? Je ne mens jamais. Menteuse.
Alors, qui est là? Qui est avec nous sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Écrivain. Votre situation familiale? Veuf. Votre devise? Pourvu que ça dure. Vous venez me rejoindre? Votre prénom et votre nom? Jean Tellet. Ah, Jean Tellet est avec nous ce matin. Venez, Jean. En effet, Jean, vous êtes un homme de télé, vous êtes un auteur de BD, vous êtes un romancier, vous avez une quinzaine de romans à votre actif, 1m96. Une toise au Moyen-Âge avant le système métrique, pile une toise. Et la pointure? 44, ce qui n'est pas grand. Non, c'est pas énorme. Non. Vous avez des petits pieds, en définitive. Oui, oui. Oui. Alors, on va parler d'un livre qui vient de sortir. Les écrivains, il faut le dire à ceux qui nous regardent, sont assez vulnérables. Ce sont des personnes qui doutent, qui sont des artistes, ce sont des créateurs, et doutent énormément. Et je sais, Jean, que vous doutez beaucoup, parce qu'il est très différent des autres. Mmh. Mmh. Ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un roman sur un fait divers, comme vous aimez en fait les décrire et les transcrire, avec votre style si particulier. Cette fois, ce sont plein de petites histoires, une quarantaine de petites histoires, très brèves, et je dirais que ce sont des fragments de vie. Vous aimez l'idée? Oui, mais ça, c'est exactement ça. Oui, bon. Oui. Alors, on va évoquer, évidemment, durant toute l'émission, hein, on a 60 minutes en votre compagnie, il y aura quelqu'un qui viendra nous rejoindre. On aime bien les surprises. Mm-hmm. Mm-hmm. Je ne vous en dis pas plus. D'accord. Cette personne est dans la loge, dans une des loges, là. Les téléspectateurs la voient, mais pas vous. Très bien. C'est ce qu'on appelle les surprises. Bon, alors, quand on revient un tout petit peu en arrière, Jean. Ah, bah alors ça, cette photo, je ne l'ai même pas, moi, ouais. C'est donc ma mère, moi, je suis dans les bras de ma mère, et puis mon père. Pourquoi votre père a quitté sa ville natale, Agen, pour monter en Normandie? Parce que il y a une ville qui s'appelle Saint-Lô, qui a été complètement rasée pendant la guerre par les Américains, d'ailleurs. Et qui croyaient, et par erreur, parce qu'ils croyaient que là, il y avait le siège de la Gestapo, et ils ont rasé la ville. Et après-guerre, il a fallu la reconstruire, et donc il fallait trouver des entreprises un peu partout en France, dont une à Agen, où mon père travaillait comme charpentier. Il est arrivé à Saint-Lô, et tous les midis, il allait manger dans un petit resto, genre un routier comme ça, où il y avait une serveuse, qui est devenue ma mère. Mmh. Et voilà. Et il n'a pas été si bien accueilli que ça à Saint-Lô? Non, parce que mon père achetait tous les jours l'Humanité. Et à Saint-Lô, qui est la Normandie à l'époque, et peut-être encore maintenant, était vraiment très réac, savait que ça se vendait, l'Humanité, mais ne savait pas que qui que ce soit pouvait l'acheter. Et mon père achetait ça, et comme il avait l'accent du Midi, c'était un accent qu'il ne connaissait pas en Normandie, et ils étaient persuadés que c'était l'accent russe. Et donc mon père était appelé Graine de Moscou. Et un jour, l'employeur de ma mère lui dit, est-ce que c'est vrai que vous vivez avec Graine de Moscou? Elle lui dit oui, il dit, je vous vire. Elle a été licenciée. Et licenciée, mon père n'a plus de travail. Et il a fallu et mon père est parti avec juste assez d'argent pour payer un billet de train et trouver un petit meublé ou je sais pas quoi, une petite chambre d'hôtel pour quelques jours. Et là, il a trouvé du travail et il a fait venir ma mère, vous-même, et puis ma sœur et moi. Voilà. Il décide donc de rompre avec la région, avec la Normandie. Il arrive à Paris. Paris, ça... C'était quoi? Vous en rêviez de Paris ou pas? Ah non, j'étais petit, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans et puis... mais j'ai des souvenirs, on habitait dans le 13e rue Esquirol, dans une seule pièce. L'eau était, les toilettes étaient sur le palier. Avec ma sœur, on avait de l'igigogne. On se lavait dans une cuvette. Mais c'était heureux tout de même? Ah oui, moi j'en ai vraiment pas un souvenir de souffrance du tout. Mais c'est parce que mes parents étaient... très attentif et tout, mais alors ça n'a été aucune souffrance. Il est engagé, votre père, au journal L'Humanité, comme menuisier, comme charpentier. Ouais. Et alors, il y a cette histoire, on croit vraiment que ça fait partie de la légende, il y répare la fameuse chaise d'Arras. Oui, oui, oui. Mais vous en avez l'assurance de ça? Ah oui, 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 oui. Et parce que...
à l'Humanité, il y avait une revue, une revue mensuelle pour intellectuels communistes, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était dirigée par Aragon. Et Aragon avait une manie, c'est qu'il voulait toujours écrire assis sur la même chaise. Mais sauf que cette chaise se déglinguait. Alors il appelait régulièrement mon père en lui disant « Il y a ma chaise qui se déboîte et tout, il faudrait la réparer. » Mon père a dit « Je le ferai quand vous aurez quitté votre bureau. »« Non, non, je veux que personne rentre dans mon bureau quand j'y suis pas. » Mon père a dit « Comment je fais ?» Il dit « Vous venez la réparer. » Alors mon père était sous la chaise et avec des fils de fer, tout ça, il rafistolait la chaise d'Aragon. Et moi, j'aime bien me dire que je suis le fils du menuisier qui réparait la chaise d'Aragon pendant qu'il écrivait. Et souvent, je lui disais, mais quand tu te levais, est-ce que tu regardais ce qu'il écrivait? Est-ce que c'était des poèmes, des articles et tout? Il me dit, non, je ne regardais pas. Vous n'en avez pas la curiosité. J'ai dit, mais quand même, tu voyais bien si c'était des petites lignes courtes avec une majuscule pour savoir si c'était des poèmes et tout. Il n'a jamais regardé. Mais il était plus discret que vous. Voilà. À l'école primaire d'Arcueil, vous aviez un camarade de classe. Ouais. Ouais, qui est aujourd'hui un homme très célèbre, qui a une notoriété incroyable, c'est Jean-Paul Gaultier. Quel souvenir vous gardez de ce créateur, celui qui est devenu le grand couturier? C'était un gamin très mignon. Et en plus, on s'est connus à l'école maternelle. On s'est connus, on avait 3 ans. Quoi. Mais il avait déjà un trait de personnalité particulier. Ah, oui, il était très différent. Ouais, ouais. À l'école primaire, dès 7 ans, 8 ans, c'est ça qui est incroyable chez ce type, c'est qu'il était fabriqué, quoi. Il était comme ça et tout, et il était différent de nous. On trouvait qu'il était comme une fille, on savait pas ce que c'était, un homosexuel et trucs comme ça, lui sans doute non plus d'ailleurs. Et puis je me souviens, évidemment, il a souvent raconté ça, mais j'ai assisté à ça, où une fois, il avait dessiné des danseuses genre Folie Bergère, toutes nues, avec des grandes plumes aux fesses et tout. Et il s'était fait réprimander par l'institutrice, qui, pour le punir, lui avait accroché son dessin dans le dos, et lui avait demandé de défiler, ordonné de défiler dans le couloir entre les classes. Et il a fait ses allers-retours. Et il le faisait avec beaucoup de dignité et tout. Et ça m'avait bluffé. Et en fait, ça a été son premier défilé de mode. Par lui-même. Oui, oui. Et puis il est mignon parce qu'encore maintenant, 60 ans plus tard, il m'invite à tous ses défilés. Vous êtes toujours amis? Oui, oui. Vous êtes sûr de ça? Enfin, j'espère. En tout cas, moi, c'est mon ami. Bon. On va entendre s'il a le même son de cloche sur vous. Jean-Paul Gaultier et Bernard Fixeau. Ah. Parce que Bernard Fixeau, le célèbre éditeur, aujourd'hui, vous avez eu la même institutrice. Exactement. Une femme très marquante pour vous trois. Tous les deux y témoignent sur le petit Jean. Jean représente d'abord l'élève, comme moi, qui était en CM1, CM2, à l'école Jules Ferry à Arcueil. Je lui ai vraiment parlé. Le jour où il m'a dit, mais tu sais, j'ai appris que tu étais à l'école communale d'Arcueil et que Madame Tappe t'a appris à lire. Je dis, oui, comment tu sais ça? Elle dit, parce qu'elle m'a appris à lire, moi aussi. Et je me souviens de quelqu'un de joyeux et festif qui dessinait vraiment très, très bien. Lui, il dessinait tout, il dessinait des chevaux, il dessinait des arbres, des maisons. Alors que moi, je dessinais simplement des femmes avec des barésilles et des plumes. Un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai découvert que Madame Tappe était toujours vivante. Et je dis, ah bon, et alors elle est vivante, on va aller la voir. Elle nous a regardés arriver, elle nous a jugés comme ça, en nous regardant. Elle a dit, toi Jean, j'ai quelque chose à te dire. Alors qu'il ne l'avait pas vu depuis je ne sais combien d'années. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu arrêtes de dire des gros mots dans tes livres, parce que les gens croient que c'est moi qui te les ai appris. Et ça, c'est détestable. Ce qui me touche chez lui, c'est vraiment son côté presque humble et à la fois ironique, mais tout en douceur, tout en subtilité. Sa gentillesse, sa générosité, son côté générosité, c'est vraiment très important chez lui. Il ne triche pas, il est vraiment quelqu'un de charmant. Et en plus, c'est un merveilleux écrivain. C'est un écrivain très original, qui change de sujet assez facilement, qui aime bien se faire plaisir et en même temps choquer un peu les lecteurs. Je suis totalement bluffé par son verbe, quoi, et sa façon, comment peut-on dire, il y a la truculence des mots. En plus, c'est très coloré, très, très, très sexuel aussi. C'est la provocation de parler du sexe comme quelque chose qui est à la fois une fête et quelque chose qui, sur lequel on ne cache rien. Héloïse Houille, c'est quand même, il y est allé, hein. il n'a pas eu peur. Hein. Les gens, c'est ça, l'écriture, la création. C'est quelqu'un qui est complètement animé par ça et qui fait semblant
que ce n'est pas important. Je lis très peu, pour dire la vérité. Je lis très peu, mais lui, il ne fait pas partie de ce très peu. Lui, je lis tout. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, comme s'ils avaient rien d'autre à foutre, et Jean-Paul et Bernard. Ils sont trop gentils, là. Oh, c'est faux. Non, j'espère que c'est pas faux, mais ils sont vraiment adorables. Ne triche pas, vous aimez choquer, la truculence, ça vous ressemble bien. Oui, sans doute. Ouais. Et Bernard Fixeau, je me posais la question, il a jamais cherché à vous débaucher de chez Julia? Non, parce qu'il sait que moi, je quitterai jamais mon éditeur. J'ai été dragué par tous les éditeurs de France. C'est plaisant, jamais. Non? C'est plaisant d'être dragué? C'est plaisant, mais au bout d'un moment, c'est un peu embarrassant. Et puis maintenant c'est un peu fini parce qu'ils le savent, mais quand ils appellent, j'ai dit, si c'est pour me débaucher, c'est pas la peine de perdre du temps, parce que ça sera non. Moi, vous imaginez le nombre d'écrivains qui aimeraient être débauchés? Moi, je suis tombé sur un éditeur formidable, souvent les éditeurs, ils me disent, oui, mais quand on fait des ventes comme les vôtres, on trouve toujours bien son éditeur. J'ai dit, mais moi, j'ai vu mon éditeur, comment il se comportait quand mes livres ne marchaient pas. Et alors, maintenant qu'il tourne, je me barrerai ailleurs, ça serait à crever de honte. Comme une respiration, c'est chez Julliard. Et dans ce livre, ce recueil, on va dire, il y a une belle histoire que vous racontez et qui explique la suite. C'est l'histoire de l'enveloppe. Oui. Et moi, j'étais un très mauvais élève en troisième. J'étais dernier de la classe. Et un jour, au conseil d'orientation, on me dirige en mécanique auto. Mécanique auto, je dis, merde, toute ma vie, je vais me prendre de l'huile de vidange sur la gueule. Oh, quel destin et tout. Et le lendemain, je vais en classe et on commençait par un cours de dessin. Et puis, je faisais la tronche et le prof de dessin passe dans l'allée comme ça. Puis, il me dit, t'en fais une gueule aujourd'hui, toi qui d'habitude es plutôt joyeux. Dis, oh, quelle tête. Je dis, hier, on m'a collé en mécanique auto. Il me fait, mais non, t'es plutôt bon en dessin. Tu pourrais essayer de rentrer dans une école de dessin. Je dis, mais ça existe, ça. Je savais même pas que ça existait. Je dis, donc, il y a des écoles, on fait que dessiner. Il me dit, oui, et tout. C'est très difficile pour y entrer. C'est sur concours. Il y a 500 candidats. On prend que les 50 premiers. Mais si tu travailles beaucoup, si tu prends beaucoup de cours du soir, peut-être que le coup est jouable. Et moi, je prends conscience de la situation. Je lui dis, mais mon père est ouvrier, ma mère femme de ménage, ils n'ont pas d'argent, laissez tomber, je vais faire mécanique auto. Et il me dit, non. Eh bien, moi, je vais t'en donner des cours du soir. Et je vais te faire travailler et tes parents n'auront rien à payer. Et tous les soirs, il me faisait travailler ta main, t'es droitier, alors dessine ta main gauche, et mets-la comme ça, serre le poing, et puis le bouquet de fleurs, et recommence, et puis le verre d'eau, là, tu vois, fais-moi croire aux brillances du verre, et il me fait bosser. J'arrive un jour à rue Madame, à l'école de la rue Madame, et pour le concours, il y avait 500 mômes dans la cour, j'ai des comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dehors, que le dixième qui restera là, etc. Je fais le concours et je peux vous dire que je m'y suis collé. Et puis après, tous les jours, on habitait en HLM avec mes parents et je demandais à ma mère si je pouvais aller chercher le courrier en bas. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres et je vois une enveloppe où il y a écrit « École de la rue Madame ». Je prends l'enveloppe, je la déchire. À chaque fois que je raconte ça, j'ai encore les vibrations dans les mains de ce truc-là. J'ouvre l'enveloppe et je vois des petits mots auxquels je ne comprends rien, comme des petits signes noirs et tout. Mais je vois en travers un coup de tampon rouge où il y a écrit « Admis ». Et là, je me dis « ça y est, là, je suis sauvé ». Et ça, ça a été la respiration de ma vie. Et ça, c'est grâce à Monsieur Pillot. Et c'est grâce à ce prof qui s'appelait Monsieur Pillot. Mais la suite de l'histoire, et je ne la raconte pas dans le livre, est plus triste, c'est que 2-3 ans après, il s'est suicidé. Et j'en ai un chagrin, mais inconsolable. Et encore maintenant, il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à ce type-là. J'aurais voulu passer ma vie à lui dire, voyez, Monsieur Pillot, parce qu'un jour, il y a eu un mec comme ça dans ma vie. Tout ce que je fais, tout ça, c'est grâce à vous. Ouais. L'importance des enseignants. Ouais. La suite, elle nous est racontée par Julie de Mareuil. Jean Tellet, votre nom rime avec barré, timbré, givré. Pas étonnant, puisque... Quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent. Vous avez le don pour raconter des histoires sordides avec des gens frappadingues. Mais l'êtes-vous vous-même? Ah non, moi je me considère comme normal. Nous, on n'en est pas si sûr. Né le même jour que Victor Hugo et que Buffalo Bill, on se demande si vous avez hérité du sérieux de l'écrivain ou de l'extravagance de l'aventurier. Chacun son destin. Le vôtre commence par hasard à l'écho des savanes, à Harakiri, et puis dans la BD avec un premier album. Première fille qui,
qui me rapporte plus d'argent qu'à mon cours. C'est bien ce qu'on se disait, vous êtes bien barré. Votre style singulier mélange les arts, photos retravaillées, collages, dessins, renouvelant ainsi le genre de la BD. C'est du teulé, quoi. Et c'est quand même moi qui le fais le mieux. En 1990, primé à Angoulême, les sujets vous concernant mettent en avant une personnalité décalée. Jean Teulé, il est content d'habiter en face d'une basse-cour. Son meilleur copain, c'est un coq. Alors, quand vous acceptez de partager l'assiette anglaise avec Bernard Rapp, on se dit que vous allez rentrer dans les rangs. Pas du tout. Vous cultivez votre impertinence et vos reportages ne ressemblent à aucun autre. Alors, monsieur Topor, vous êtes content d'être dessinateur ? Et dire que vous vous trouvez normal. La rencontre avec une éditrice allait peut-être enfin vous assagir. Seulement voilà, vous racontez des histoires affreuses, celles d'un jeune homme dévoré tout cru par des villageois. Mangez-le si vous voulez. Mais aussi des histoires déroutantes, voire obscènes. Au total, 15 romans traduits dans une vingtaine de langues, un succès phénoménal adapté au ciné, au théâtre et en BD. Moi je vis ça comme un conte de fées. Enfin, quand on pense que votre roman le plus optimiste s'appelle Le Magasin des Suicides, on est loin du conte de fées. Alors Jean Teulé ne se Seriez-vous pas en réalité un fou qui s'ignore? Quelle est votre définition de la folie? C'est vachement bien, ça. Oui, merci Julie. Ouais, ouais. Hein, la définition de la folie, c'est quoi chez vous? Je ne sais pas, mais moi, je ne me sens pas fou. Non. Moi, je. Voilà, plutôt libre. Mais vous dites souvent que vous attirez, vous êtes un aspirateur. Ah, ça, c'est vrai. Et à un moment, où, c'est dit dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que Choron disait quand Teulé arrive dans une ville, les fous sortent. À l'époque de l'assiette anglaise et tout ça, je préparais, à chaque fois que j'allais faire un reportage sur quelqu'un d'un peu timbré, j'allais dans une ville et puis je savais qui j'allais voir. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de préparer. Je choisissais une ville, j'arrivais et des fois, dans la gare, il y avait un taré, il était pour moi. Vous. Et donc, ça devenait vraiment simple. Dites-moi, Jean, vous avez bien dit que la télé, vous aviez honte, en fait, de faire de la télé. Vous avez dit ça. J'ai honte de faire de la télé. Alors, je vous demande, est-ce que c'est si pitoyable de faire de la télé? Non, mais c'est vrai que c'est à nulle part ailleurs. J'étais pas très bien à nulle part ailleurs. Et très vaniteusement, elle avait la grande table où il y avait, je me disais que ma place, elle n'était pas là. Que ma place, elle était en face. Et il fallait être un petit peu timbré, mais bon, voilà. Mais l'assiette anglaise, ça a été un régal. Mais Bernard Rapp, quelle merveille de mec ça a été, ça. Et qu'est-ce qu'il a quelle été liberté. Classe. Et qu'est-ce qu'il a été classe. Et qu'est-ce qu'il m'a défendu. La première année, à la fin de la première année de l'assiette anglaise, il y avait un président, je crois qu'il s'appelait Contamine, qui dit à Rapp, l'émission marche très bien et tout, il n'y a pas de problème, on la renouvelle. Il y a un seul truc, c'est le grand à bouclette, tout ça, il faut vous en débarrasser. Et Rapp lui dit, si vous m'obligez à me séparer de lui, j'arrête l'émission. Et Rapp ne me le dit pas. Je l'ai appris le jour de ses obsèques. Parce qu'il m'aurait dit, tu sais, ça a chauffé, mais t'en fais pas, je t'ai défendu. J'aurais mis la pédale douce pour pas l'embarrasser. Mais ne sachant rien, eh ben moi, je continuais mes conneries et tout. Et ça, c'est la classe absolue, un mec comme ça, quand même. Quel regard vous portez sur la télé aujourd'hui? Je la regarde presque jamais. Vous avez une télé chez vous, en Bretagne, il n'y a pas de télé. Et à Paris, vous l'avez? Et oui, mais je ne regarde presque pas. Non. Vous ne regardez pas Miu Miu lorsqu'un de ses films passe à la télévision? Quand c'est un téléfilm, oui. Mais autrement, je les ai vus au cinéma. Mais quand c'est un téléfilm, vous regardez quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Vous dites que vous allez rarement au cinéma? Oui. Mais souvent, Mais vous qui êtes un homme curieux. Souvent, je suis déçu au cinéma. C'est des histoires qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et ça fait un truc un peu idiot, mais à l'ancienne. Mais moi, je me souviens que quand Kubrick faisait des films, à chaque film, j'allais voir. Et alors là, c'était invraisemblable et tout. Mais là, maintenant, il n'en fait plus. Ou l'époque de Fellini, tout ça. Oui, j'adorais ça, le cinéma. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui m'attire. Vous n'en savez rien, puisque vous n'y allez pas. Oui, mais les quelques fois où j'y vais, puis même le sujet des films, c'est souvent des drames bourgeois, la con et tout. Ah, justement, tiens, parlons de bourgeoisie. Sandrine Bonnard, qui était à votre place dimanche dernier, elle disait que, évidemment, avec le temps et avec le succès, elle s'était un peu embourgeoisée, dans un certain confort, dans un certain luxe, mais pas dans sa manière de penser. Et vous?
Je pense. Oui, dans un luxe maintenant, parce que je gagne plus d'argent que j'aime jamais, mais j'aurais imaginé gagner d'ailleurs. Mais je continue à vivre comme et avec les mêmes copains qu'avant. Moi, je suis très fidèle en amitié. Et avec les mêmes pensées. Ah oui. Puis j'ai aucun goût de luxe, moi. Rien. J'ai besoin de rien. Dans mon bureau, il y a rien. Moi, on peut me cambrioler. Hein. Les cambrioleurs, ils vont être super déçus. J'ai pas de voiture. J'ai une voiture pour la Bretagne. Une maison. Oui, mais voilà, une très belle maison, très belle grosse maison en Bretagne. Mais autrement, moi, je n'ai besoin de rien. J'ai pas de bijoux. J'ai besoin de rien. Quoi. Vous trouvez du temps pour lire? Je lis, les autres pas de romans, non. Moi, je crois que j'ai lu une quarantaine de romans seulement dans ma vie. Mais comme c'est paradoxal, quand même, vous qui en écrivez. Mais justement, moi, je trouve que quand on écrit des romans, quand j'écris, je travaille de 10h à 19h. Arrivé à la maison, je ne me dis pas « Ah, tiens, je vais me détendre, je vais me lire un roman. » J'ai passé ma journée à faire ça. En revanche, je lis, comme j'ai fait peu d'études, je lis beaucoup de livres pour apprendre des choses. Alors ça, oui. C'est vrai que vous avez lu Shakespeare ? Oui, pièces de Shakespeare. Presque toutes, oui. Qu'est-ce que ça apporte ? Oh, ben alors là, il était temps que je découvre ça, c'est que c'est génialissime. Mais c'est extraordinaire. Et on parle souvent de Molière, et on n'a pas tort, c'est très bien Molière. Mais Shakespeare, là, c'est génial, mais absolument génial. En français ou en anglais ? Malheureusement, en français, je serais bien incapable. Et quelle chance ont les gens qui peuvent lire ça en anglais, ouais. Vous dites souvent que vous aimez observer. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes un contemplatif ? Lorsque vous êtes dans un café, comme ça, à regarder un peu les passants, j'imagine que vous imprégnez, fait, évidemment. Et dans les restaurants, il y a un truc qui me surprend, dans beaucoup de restaurants, je vois des couples qui peuvent passer tout le repas sans se dire un mot. Le mec regarde le plafond, la femme regarde par terre. Ou son téléphone. Ou son téléphone. Maintenant, les téléphones disent pas un mot. Mais pourquoi ils vivent ensemble s'ils n'ont rien à se dire? Est-ce que c'est parfois du voyeurisme de votre part? Oui. Et puis, j'imagine la vie des gens. Même quelqu'un qui passe dans la rue, si elle a l'air pressée, je me fais des films. Je me dis, tiens, elle doit... C'est pour ça que vous n'allez pas au cinéma. En fait, vous faites votre propre cinéma. Le cinéma, il est dans la rue. Ouais. Alors, dans Thé au Café, Jean réalise le rêve de nos invités. Le vôtre, il était gourmand. Julie de Mareuil et Pierre Coussier vous ont fait une vraie surprise. Ah ouais, alors. On y va. C'est là que j'habite et que je travaille. Il y a des endroits plus pourris. Hein. Est-ce que vous savez ce qui vous attend ce matin ? Pas du tout. J'aimerais bien le savoir, d'ailleurs. Premier indice, il va vous falloir un sacré coup de main. Ouais. Ça vous parle ? Oui, ça commence à me parler, ouais. Deuxième indice, ce que vous allez concocter tient du miracle. Ça se mange ? Et voilà. C'est-à-dire ? C'est une tarte au chocolat. Vous allez apprendre la recette. Ah bah très bien. Adolescent. Et je veux dire, là, les gens qui habitent dans le coin, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, parce que moi j'habitais en HLM à Arcueil, sans me douter que des années plus tard, c'est là que j'habiterai. Le restaurant L'Ambroisie est juste en face, ici, la place des Vosges, tout discret, et c'est un endroit incroyable. Vous venez souvent ? Pas souvent, parce que c'est un restaurant extraordinairement cher, mais j'y viens régulièrement, oui. C'est pas prévu. T'es une star de la télé. C'est pas que c'est une surprise, tu t'étais pas... Eh ben non. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu travailles maintenant. Mais j'ai appris ça, oui, mais ça sera la première tarte au chocolat que je ferai de ma vie. J'ai jamais fait aucune tarte. Celle-ci, on va la faire pour Mimi, voilà. Ah là là. Hein maintenant, c'est au boulot. C'est pas un stylo, c'est un tablier. J'ai un grand chef, là. Par la taille. On sait jamais, hein. Vous savez, la bille ne fait pas le moine. Hein. C'est bien plus profond, la cuisine. Là, c'est le coin pâtisserie. C'est petit, mais c'est très fonctionnel. Première fois que je rentre dans la cuisine. On prend 250 grammes de farine. J'espère qu'on va pas la rater. Hein. C'est la première tarte au chocolat foirée de L'Ambroisie. On y va, hein, Jean. Alors là, je rigole plus. Regardez l'épaisseur, il faut toujours soit aussi épais. Non, mais là. Oui, bien sûr. Ah, Il faut que ça soit régulier. Métier, hein. Je me doute, ouais. Hein il est méticuleux, il est appliqué. Hein. Je pense qu'il doit penser à Miu Miu. Je te fais une tarte. On va le cuire à 180.
Ce qui me plaît dans la cuisine, c'est savoir qu'après, ça va être mangé. Et essayer de faire plaisir. Quoi. Et tout me plaît dans la cuisine, tout comme j'aime bien faire la vaisselle. Et j'ai appris que Hitchcock adorait faire la vaisselle. Il aimait bien inviter des gens. Et puis après, passer dans la cuisine et faire la vaisselle, et il avait l'impression d'effacer comme un crime. C'est-à-dire qu'après, oui, on arrivait, il n'y avait aucune trace de ce qui s'était passé. Pour l'instant, je prends 100 grammes de chocolat. Dans ce chocolat, on va rajouter le sabayon, enfin sabayon, on va dire, avec des œufs, des jaunes d'œufs, du sucre. Et on monte ça comme si on montait des blancs en neige. Ah, oui. Gourmand. Vous faites attention à votre ligne. Oui, ouais. Mais là, il est un peu fort. Non, mais pas tellement, quand même. tous les copains de mon âge ont un bide de notaire et moi, j'ai pas envie de ça. Ouais, 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 je fais attention. Le soir, je mange un yaourt, un fruit, et puis voilà. Et le midi, je mange normalement. Toujours par sur du sang, sur le sang. D'accord, ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est sensuel. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, c'est facile. C'est plus difficile d'écrire, hein. Non. Je crois que ça doit être un peu pareil, en fait. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Chaud devant, attention, je tâche. Il n'y a plus qu'à goûter. Ah ben Jean, tu l'as réussi, dis donc. Bravo Jean, alors là, je vais d'abord la goûter quand même. La confiance règne. Hein. Alors, c'était une très bonne surprise. Merci Bernard. Merci Yvan. Trop mignon. Et quel bonheur, quel privilège. Il y a un tas de trucs que je m'imagine peut-être que ça sera un jour, mais alors ça... Vous pouvez applaudir, hein. Allez, Jean, bravo. Ah là. Oui. Vous aimez l'excellence. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire dans ce restaurant, c'est que c'est la perfection. Et véritablement, moi j'ai mangé des mauvaises tartes au chocolat, des bonnes, des très bonnes. Il y a une vraie mais différence. Là, elle est... irréel. On se demande comment ça tient en l'air. Parce que c'est léger. C'est extrêmement... J'ai l'impression que c'est comme un miracle. C'est un nuage en l'air. C'est invraisemblable. Vous qui aimez le chocolat. Envie chocolat, Frédérico. Mmh. C'est un pâtissier chocolatier. C'est chez Albin Michel. Il y a 80 recettes. Oh, bah, je suis bien content parce que moi, j'en mange tous les soirs un petit bout de chocolat. Bah, ce serait gentil la prochaine fois de venir avec une recette réussie. Très bien. Hein, ouais. Mmh. Très bien, j'ai compris. Avec même un petit ton un tout oui, petit peu menaçant. Oui, un peu sec, hein. Je connais. 3 étoiles pour ce restaurant. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. 30 c'est ça. Ans, ouais. 3 quelle étoiles. Quelle constance incroyable. Ouais. Vous aimez les récompenses? Ah non, je m'en fous complètement. Avoir le Goncourt. Ah, je m'en tape. Je m'en tape, d'accord. Rien à foutre. Parce que vous avez eu quelques prix. Hein. Oui, mais je ne les ai pas réclamés. Non, mais vraiment, je m'en fous complètement. Et c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien refuser la Légion d'honneur, des trucs comme ça, mais on ne me l'a jamais proposé. Oui. Alors j'adorerais dire non. Mais bon, il faudrait d'abord qu'on me la propose. Est-ce que c'est Jean-Pierre Coff qui vous a initié au bien manger? Ah oui, ben c'est lui qui m'a fait découvrir justement l'ambroisie. La première fois que j'y suis allé, c'était sur une invitation de Jean-Pierre. Et c'est là qu'il m'avait dit, tu devrais prendre la tarte au chocolat. Et je jouais à la carte, tarte au chocolat avec une boule à la vanille. Je faisais, putain, je vais dans n'importe quel boui-boui, je mange la même chose, c'est pas à peine d'aller dans un 3 étoiles. Je l'ai écouté, j'ai dit, ah. Vous n'avez pas regretté? Non. Comment vous qualifiez et comme fiez même ces emportements célèbres? Non, c'était un jeu, il s'amusait et il s'était construit un personnage et il jouait à Coff. Mais c'était un type, avec moi, c'était un type qui a vraiment, vraiment été sympa. À un moment de la vie où quand même j'avais beaucoup d'emmerdements, une histoire de veuvage, de maison à vendre et tout, pour des droits, je ne sais pas quoi, il m'a acheté ma maison que pour m'aider. Il n'en avait pas besoin, mais que pour m'aider. Et je lui disais souvent, t'es quand même un gros casse-couille, mais avec moi, t'as un chèque en blanc. Tu peux m'emmerder jusqu'à la fin de la vie, parce que vraiment, je te dois tellement. Et quand il est parti, vous avez écrit un texte que vraiment j'ai beaucoup aimé et admiré. Vous l'avez engueulé. Oui, oui. Mmh. Et je crois que la première phrase de cette préface était « Jean-Pierre Coff est un sale con », et la dernière était « qu'il aille se faire enculer par les anges ». Voilà. Ce qui est pas mal pour une préface. Oh, il aurait beaucoup aimé. Oui. Qui peut le remplacer?
En personne, c'est vraiment un personnage unique. Il y aura forcément d'autres gens qui sont forts en personnalité. Autrement, mais Koff, il y en aura eu un seul modèle. C'est le premier livre que vous ne lui dédicacerez pas. Ouais, qu'est-ce ben que ouais. vous auriez à noter J'aurais dit « Reviens sur Terre ». Voilà. Bon, salut Christophe, son compagnon. Ah oui, ah, oui, 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 oui. Vous aviez besoin de faire une pause, dites-vous. Oui, j'avais raconté trop d'horreurs. J'avais raconté des histoires d'un mec qui se fait bouffer par une foule, des trucs sur la Saint-Barthélemy, Charlie IX, un mec qui se fait couper les couilles, une tueuse bretonne qui zigouille tout le monde. Au bout d'un moment, j'en avais ma claque. Et surtout, je trouve que la période actuelle est même inquiète. Elle est anxiogène. Je la trouve anxiogène, étouffante, et j'avais envie de respiration. Et je m'étais dit, j'aimerais bien apporter aux gens un livre qui serait comme un bol d'air. Ouh, on respire. Et dans ce livre, il y a 40 histoires et j'aimerais bien que ça soit comme 40 respirations. Et pour faire ce livre, je demandais à des gens que j'allais beaucoup faire des dédicaces en province, dans les librairies, salons du livre. Et à plein de gens, je leur disais, est-ce qu'il vous est arrivé dans la vie un moment, une histoire où, bon sang, ça démarre mal dans n'importe quel domaine, mais à la fin, waouh, on respire. Est-ce que vous avez soumis d'ailleurs à la lecture ces histoires écrites une fois qu'elles vous avaient été racontées par ces personnes-là? Aux gens en question, ouais. Systématiquement. Ah oui. Systématiquement. Ils ont eu leur. Vous avez eu leur aval. Ah oui. Et je leur disais, et si votre histoire, comme je la raconte, elle ne vous convient pas, elle ne sera pas dans le livre. Ah ouais, bah oui, c'est un minimum de politesse. Vous avez pour habitude, on le sait, un genre de trouver d'abord le titre de vos livres. Je peux pas commencer un livre. Et la couverture. Ben oui. Et je peux ça pas a été le cas pour celui-là. Ça a été ça, oui, oui. Et le nuage a été photographié au-dessus de ma maison bretonne. Et moi, je peux pas commencer un livre si je sais pas comment il s'appelle. Ça, c'est très original. Je pense que c'est vraiment inédit en matière d'écriture. Ben vous êtes le seul à faire ça. Oui, mais je trouve que les choses existent quand elles ont un nom. Et si je commence un livre et qu'il n'a pas de nom, c'est comme s'il n'existait pas. Vous ne craignez pas de déboussoler vos lecteurs ? Sans doute que oui. Mais en même temps, moi, je fais ce que je veux. Je fais strictement ce que je veux. Je me suis pas tellement embêté avant non plus. Mais là, maintenant, ça va. Financièrement, j'ai assez de sous pour aller jusqu'à la fin de la vie. Il y a quand même peu de gens qui peuvent se dire ça. C'est certain. À mon âge, je ne vais pas en écrire 10 autres des romans, des livres. Et donc, je fais ce que je veux. Et moi, j'avais envie d'écrire un livre pour moi respirer. Et puis, en croyant, peut-être naïvement, que des gens vont être contents de lire un livre qui fait du bien. Est-ce que ça vous a fait du bien aussi de l'écrire ? Ah oui. Est-ce qu'il y en a eu une, notamment, ou plusieurs, qui ont été vraiment difficiles à écrire ? La deuxième, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est celle quand je prends le train qui part de Rouen pour arriver à Saint-Lazare. J'ai passé 3 semaines à écrire. Je ne comprends même pas pourquoi. Mais je ne trouvais pas la clé de l'histoire. Ce sont des histoires de 3 pages. Oui, oui, très courtes, oui. Ce sont les plus difficiles, en fait, c'est un exercice plus difficile qu'un long roman. Oui, c'est différent, mais c'est un jeu. Et puis j'avais envie de les raconter à chaque fois d'une manière différente, d'attaquer l'histoire, les histoires tout à fait différemment. J'avais envie de tout, que dans ce livre, qu'il y ait des dessins, des photos. Il y a même une bande dessinée où les bulles sont vides et c'est au lecteur de les remplir. Et il commence à y avoir des personnes qui vous les renvoient ? Oui. Et dont une dessinatrice, Florence Estac, Philippe Gueluc m'a dit que lui aussi, il avait rempli les bulles. Et j'ai envie de ramasser tout ça. Et peut-être que des lecteurs, des lectrices vont remplir les bulles et me renvoyer tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui se situent en fait en Bretagne. Des Côtes d'Armor, donc dans votre coin. Est-ce que ça a un impact, le lieu d'écriture ? Oh, moi, j'aime bien écrire dans ma maison bretonne. Moi, je suis à moitié du temps à Paris, moitié en Bretagne. J'ai le même bureau, mais exactement pareil. Tout est rangé pareil. Ce qui fait que je ne suis pas déstabilisé quand je passe d'un bureau à l'autre. Et le lieu a une influence sur l'écriture ? Oui, mais en Bretagne, j'y suis vraiment bien parce qu'on n'est pas entouré de maisons et tout. Quand je veux sortir un petit peu, les oiseaux qui piaillent partout et tout, l'air, enfin, j'ai ce luxe-là. Est-ce que vous pensez que votre métier est pérenne, le métier d'écrivain ?
Il y aura toujours des hommes, des femmes qui écrivent. Oh, oui, bien sûr, qui raconteront des histoires au moins, ouais. Le livre en papier, mon éditeur, il n'aime pas beaucoup que je dise ça. Je suis persuadé que ça va disparaître, le papier. Et j'en ai pas de regret. Un livre, c'est un tas de papier, c'est pas plus... Alors, mais attention, Jean. Ouais. Il y a un danger. Ah. Ouais. Votre métier est en péril, là. Sans blague. Les Et je l'apprends ce matin. Ouais, les robots sont arrivés. Les écrivains n'ont qu'à bien se tenir. L'ère des robots romanciers n'est pas si lointaine. Des chercheurs japonais ont récemment mis au point une intelligence artificielle capable de construire une histoire. Et figurez-vous que l'un de ces romans a été présélectionné pour un prix littéraire. Que des robots intelligents puissent produire des textes intéressants et des livres palpitants, les experts n'en doutent pas et s'y emploient. Alors à quand le prix Goncourt décernait une intelligence artificielle ? C'est dingue quand même, les robots qui écrivent des livres. Ouais. Ouais. Alors on leur donne un cadre, ouais. On leur donne quelques éléments, et ils y vont. Ouais, et pourquoi pas. Mais en même temps, je ne sais pas si des choses un peu géniales peuvent sortir, encore que si on arrive à inclure dans ce programme la notion d'aléatoire. D'émotion, éventuellement, oui, de sentiments. Oui. Non, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Oui. Bon, vous craignez pas pour, non, pour votre avenir. Non, je crains pour rien. Non, tout va bien. Ouais. Oui. D'autant que lorsque vous allez voir arriver notre invité surprise, là vous allez encore mal, vous détendre. Femelle. Bah, quand même femelle. Hein. Ah. Allez, tout à l'heure vous en avez parlé. Ça y est. Allez. Si elle peut venir nous rejoindre, bonjour Florence. Oh, voilà, Florence Sestac. Bonjour. Alors, Florence Sestac, c'est une amitié de toujours. Alors, nous, on s'est connus, Florence, il y a longtemps. Très longtemps. Dans une émission qui s'appelait Sucré Salé. Exactement. Voilà. Oui, oui. On a revu des archives. Oula, on ne vous les montrera pas, faisons tout pour en ce qui me concerne. Voilà, donc on avait envie, évidemment, que vous soyez réunis, vous vous voyez assez régulièrement. Ah. C'est vrai qu'elle vous a, elle vous a mis un peu de rouge à lèvres, c'est très très joli. Ça donne bonne mine. Exactement. Oui, ça donne bonne mine, exactement. Ma super copine depuis perpète. Mais voilà, oui. Alors Florence, vous dites, Jean, c'est mon porte-bonheur. Pourquoi ? Exactement, oui, oui. Parce qu'il a fait la préface du Démon de Midi, qui est mon best-seller. Mm-hmm. Et à l'époque, il y avait un crétin chez Dargaud qui se prenait pour un éditeur qui avait dit, mais c'est quoi cette préface qui est pas bien, du grand, là, qui se prend pour Rimbaud et tout. Je dis, mais de toute façon, il y aura toujours une préface de Jean Taulet dans tous mes albums. Et donc, depuis, il me fait toujours moi, mes préfaces. Je me souviens de ça, parce que Florence avait vécu une tragédie amoureuse. Son chéri s'était barré, tout ça. Elle était sans dessous, et puis elle parlait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais elle habite au 6e, 7e étage, elle parlait de carrément se jeter par la fenêtre. Oui. Alors je lui disais, tu le fais si tu veux, mais après tout, ce qui t'arrive, il y a plein de femmes qui vivent ça, tu es dessinatrice de BD, plutôt que de passer par la fenêtre, fais-en plutôt une BD. Et c'est ce qu'elle a fait. Merci Florence d'avoir gardé le secret. Oui, oui. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi, parce que alors lui, par contre, il ne faut pas lui confier un secret. Hein. Il ne peut pas tenir sa langue. Je balance tout. Oui. Il n'aurait pas fallu faire la résistance avec moi, on aurait été déçus. Hein. Bah c'est bon à savoir. Florence, vous, fille des oiseaux, là vous revisitez en fait, avec évidemment votre humour et surtout votre style et vos dessins, des années de pensionnat des années 60, vos années de pensionnat. Oui. Et la rencontre surtout entre deux classes sociales. Exactement, oui. Deux amitiés, deux filles qui avaient au départ rien pour se rencontrer, une qui vient de Neuilly, très chic, très cher, et une qui vient de la campagne, qui habitait juste à côté de la pension, quoi. Et là, vont se lier une amitié sincère et véritable qui va durer toute Alors, dans ce pensionnat, vous décrivez une atmosphère évidemment assez lourde, assez pesante, et comme vous le dites dans la préface, Jean, ça sentait les chaussettes du général de Gaulle et la vieille culotte de tante Yvonne. Et le fond de culotte. Et le fond de culotte. De quoi vous avez-vous le plus souffert ? Sans doute pas de l'odeur. Quoique, les bonnes sœurs souvent sentaient pas très bon. Non, mais c'était on vivait sous cloche, quoi. On vivait sous cloche et on voyait pas ce qui se passait à côté du monde, effectivement, qui était en pleine effervescence. Et donc, c'est vers 68 que tout s'est ouvert, tout a éclaté et qu'on a pu. Donc, un monde interdit avec énormément de tabous. Mais oui, mais c'est comme toutes les religions, ils ont toujours eu problème avec le corps des femmes. Il fallait s'habiller avec des grandes jupes sous le genou, des chaussettes, des cols jusque-là, des bérets. Enfin, on était complètement... Et tout était péché.
Et en plus, ça a servi à rien parce qu'elle est devenue dévergondée et tout. C'était pas à peine que les bonnes sœurs elles essayent de la cadrer. Oui, mais justement, c'est l'école de la perversion. Voilà. Et donc, on apprend à faire que, voilà, se venger. Vous dites que vous avez été donc asphyxiée effectivement par la religion catholique, mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, peut-être même encore plus gravement? Par toutes les religions mais qui nous entourent. Bien sûr, oui, oui. Moi, je pars du cas de la religion catholique parce que je l'ai vécu comme ça et on s'en est sorti, moi, j'en suis sortie. Et donc, maintenant, c'est effectivement un problème d'autres religions. Mais c'est toujours les femmes qui sont en première ligne. C'est terrible, quand même. Jean, d'ailleurs, c'est une de vos préoccupations, les montées des religions. Oh là, ça, c'est même avant tout une surprise. J'en reviens pas. Je dis souvent qu'au moment de mourir, en fin de vie, tout ça, ce qui m'aura le plus étonné sur Terre, c'est la montée des religions. C'est tellement archaïque. C'est que des gens, il y a très longtemps, aient cru à ça. Il n'y avait aucune éducation, on ne savait rien. Il fallait bien essayer de fédérer les populations. Après tout, pourquoi pas d'avoir inventé des religions? Mais maintenant. Maintenant, et comment on peut croire à des conneries comme ça? Genre, sur Terre, vous allez en chier. Plus vous allez en chier sur Terre, plus ça sera le paradis après la mort. Le bonheur, ça sera après la mort. Moi, je préférerais qu'on me promette le bonheur avant la mort. Et j'arrive pas à croire comment des gens qui ont une apparence intelligente et tout... croit dur comme fer à ça, au paradis et tout. Sans compter le dictat notamment des religions, et notamment la religion catholique en Pologne, avec le recul de l'IVG. Oui. Terrible. C'est terrible, comme une régression totale. Quoi. Et donc, effectivement, en 68, on pensait être débarrassé de tout ça, qu'on avait mis ça de côté et tout, et que, bon, les gens ont envie de pratiquer une religion de liberté, mais... Voilà, on était des laïcs et tout. Et là, on a l'impression qu'on revient encore. Oui, comme les manifs, là, je sais pas quoi, mais on appelle ça manif pour tous et tout. Je comprends pas que des gens manifestent pour ça. Parce que avant, quand les gens manifestaient, c'était pour obtenir quelque chose, un truc en plus pour eux, pour être plus heureux. Là, c'est des manifestations où de toute façon, on leur retire rien. Et c'est juste, on ne veut pas donner un bonheur supplémentaire à des gens qu'on considère pas bien. Mais tout est marteau. Là, on entend souvent, ah, mais ce pape, il est bien et tout, il est aussi con que les autres. La religion musulmane, elle a démarré bien longtemps après la religion catholique. Et à l'époque du XVIe siècle, la religion catholique, c'était invraisemblable. Et là, c'est la même chose qui se passe. C'est comme si la religion musulmane vivait sa crise d'adolescence et avec les mêmes schémas que l'autre religion. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans Charlie 9. Où je racontais la Saint-Barthélemy. Et là, on y retourne. Quel désespoir. Les femmes, est-ce qu'elles ont pris une place maintenant à part entière vraiment dans la BD? Il y en a de plus en plus, effectivement, de femmes qui font de la bande dessinée. Mais c'est pareil, elles sont parties en retard. Parce que moi, quand j'étais petite, on offrait des bandes dessinées à mon frère, mais jamais à moi. Et donc... si on n'en a pas lu beaucoup étant petite, c'est un art qu'on a du mal à manier. Quoi. Comment s'annonce le prochain festival d'Angoulême? Parce que celui de l'an dernier, il a fait beaucoup de bruit en raison du boycott de certains hommes. Ils ont nommé un médiateur qui a fait le tour de la chose et donc on prend les mêmes et on recommence. Donc je pense qu'on va pas changer grand-chose. Vous pensez que la sélection ne sera pas mixte? Si, heureusement, oui. C'est des plus jeunes qui vont faire la sélection des albums et trucs comme ça, et des fêtes et différents programmes. Donc ça va être mieux, mais pour le reste, ça va être pareil. Tous les deux, vous, Jean, qui avez évidemment bien connu le milieu de la BD, puisque vous avez été dessinateur. Florence, regardez, c'est Joanne Sfar, qui, la semaine, il y a 15 jours, était à votre place. Il nous faisait part, lui, de son opinion sur l'univers des dessinateurs. Vous me direz si vous êtes d'accord. C'est un art mineur, la BD. J'aimerais bien. Parce que tant que c'était vraiment un art mineur, on nous fichait une paix royale. Maintenant, on a acquis les mêmes maladies que la littérature générale ou l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on a un appareil critique déficient, on se déteste tous, donc le showbiz nous est tombé dessus. Il y a de la compétition, beaucoup entre vous. Oui, mais c'est moins dégueulasse que chez les écrivains. Parce que les auteurs de BD sont assez bruts, assez simples. S'il y en a un que vous n'aimez pas, il va vous en mettre une et ça va être réglé. Tandis que les écrivains, parce que je vois ça, je vais dans les salons littéraires maintenant, ils se mettent à la même table pour se dire du mal l'un de l'autre.
Jean, vous en pensez quoi? Il a raison. Il a raison. Nous, de notre génération, on n'en avait rien à foutre du style de l'autre. On était tous copains. Moi, j'ai pas eu un ennemi. Il n'y avait pas de compétition. Rien, aucun. Oui. Non, c'est mais, vrai. Et tandis que là, maintenant, même les dessinateurs de BD, ils commencent à être plus à cran. Mais je comprends qu'ils soient plus à cran parce que nous, nos bandes dessinées passaient dans des revues comme Anana ou à travailler Florence. Moi, c'était l'écho des savanes à suivre et tout ça. Et on était payé à la page quand c'était publié. Et après, on rassemblait les pages pour en faire des albums. Ce qui fait que même si nos albums ne marchaient pas, on gagnait notre vie. Tandis que maintenant, les dessinateurs d'aujourd'hui ne sont payés qu'aux droits d'auteur. Et donc, c'est super dur. Je crois qu'il y a genre 80% des dessinateurs de bandes dessinées qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est incroyable. Donc, forcément, ça les rend plus nerveux, plus... Mais je comprends ça. Et plus n'empêche à Pauguin, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de dessinateurs jeunes qui sont pourris de talent, bien sûr. Oui. Puis à notre époque, c'était plutôt les derniers de la classe qui faisaient BD, maintenant. Plutôt les premiers de la classe. Ouais. Donc, il y a effectivement une espèce de compétition, maintenant. Nous, on était des pieds nickelés. Mais que pour qu'il y ait eu cette génération-là, il a fallu qu'il y ait la nôtre. Passé par la vôtre. Voilà. Ouais. Vous êtes limitée, vous, Florence, sur le sexe, durant toutes ces années. Non. C'est plus libre aujourd'hui? Oh, non, c'est pareil. Moi, je me suis jamais limitée. Puis j'ai un éditeur qui vraiment me fout une paire royale. Donc, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Hein, vraiment. Parce que Jean, il aime bien choquer. Vous aussi? De temps en temps, des petites piques. Alors, c'est moins violent que Jean parce que il y va vraiment, quoi. Mais j'aime bien des petites choses comme ça, de temps en temps. Et comment vos lecteurs, en fait, ils réagissent? Ils l'évoquent avec vous quand ils viennent vous voir dans les salons? Oui, alors moi j'ai beaucoup de femmes qui achètent que mes bandes dessinées, pas d'autres, parce que les femmes achètent moins de bandes dessinées que les garçons. Et donc moi j'ai mon public féminin et donc j'ai mon staff derrière. Et puis grâce à la pièce de Michel Bernier, Démon de midi, là je me suis fait vraiment une grande, grande clientèle. Il y a eu Démon de midi, il y a eu Démon d'après-midi, il y a le Démon du soir aussi. Oui, hein. Oui. Il y en a eu absolument, trois. Hein. Absolument. Est-ce que vous voudriez me faire le plaisir, voire l'amitié? Regardez. Là, il y a de quoi faire, deux blocs, et je voudrais que chacun, en une minute, il y a un chrono, que vous arriviez en fait à décrire un peu l'ambiance d'un plateau. À décrire comment ça, en un dessin? En dessin. Wow. Moi, j'ai arrêté ce métier, moi. Oui, ben justement, ça va être amusant. Ouais. Prendre un élément, un détail, une ambiance, voilà. Aïe. Ouais. Pas simple, hein. Et non. Prenez votre temps tout de même. Oui. Ah, ils sont studieux. Mais oui. Alors. Quand on dessine, on ne peut pas parler. Hein. Ça va être nul. Bon, j'en profite pour dire que Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde, c'est chez Dargo. Hein. Et puis il y a aussi une exposition de Florence Sestac aussi. Exactement. Ouais. Ça ne faudrait quand même pas non plus l'oublier. Hein. Une exposition à Paris jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein, me semble. Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. Oui. Et c'est rue Martel. Oui. Hein? 17 rue Martel, pardon. Non, je ne sais pas si on a le droit il de parler. Combler, ou... Il faut combler. Oui, non, mais je la déconcentre. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, chez Dargo, Florence Sestac, il y a Harry Mixon. Qui vient de sortir, oui, qui sort voilà. Immédiatement tout de suite. Là, vous voyez comme c'est pratique, en fait, une minute pour faire la promotion et la pub de Florence. Non, hein? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, moi, j'ai essayé de faire un truc, mais bon, voilà. C'est vous, avec deux caméras à la place des yeux et puis le micro à la place de la bouche. Ah, voilà. Ouais. Mais pour quelqu'un qui ne sait plus dessiner, ça va? Oui, les petits restes, c'est comme le vélo. Oui. Mais la Flo, ça va être ah mieux. Ah oui, mais c'est une pro, archi-pro. Ouais, mais quel écrive un roman? Frappe-moi sa maligne. Ah bah, on est parti sur quoi, la Florence? Ah, Jean. Bien, c'est avec Jean. Voilà. Bien, et le fauteuil est très ressemblant. Il sort sur le fauteuil. On croirait que vous êtes et sur le un nez, siège. Surtout, le nez. Moi, j'ai donné le biberon à son garçon. À son mon fils, oui. Maintenant qu'il a 30 ans et qui est papa aussi. Je lui ai donné le biberon. Mais, c'est pas joli, ça. Écoutez, j'ai la larme à l'œil. Mais non, parce que vous êtes un cœur sec. Exactement. Et ça, il est temps qu'un jour un invité. Insensible. Mais voilà. C'est comme ça que je vous décris. Florence, merci beaucoup.
J'étais ravie. Ah oui, merci, ma pauvre. De rien. Oui, vraiment. Et à bientôt. Oui. Bah, de toute façon, nous, on part au dos à dos, alors restez. Hein. Restez un instant. On y va. Dos à dos avec vos gentelets, des réponses du tac au tac, le moment le plus heureux de votre vie. Peut-être la naissance de mon fils. C'est quand même une bizarrerie incroyable de voir un enfant. Vous étiez à l'accouchement ? Ouais. Ah ouais. Une figure historique que vous auriez aimé rencontrer ? Verlaine. J'aurais adoré rencontrer ce mec. La dernière fois que vous vous êtes senti très seul ? Souvent. Mais c'est pas une souffrance. Moi, je m'ennuie pas tout seul. La convention sociale qui vous agace le plus ? Alors, j'en sais rien. La convention sociale, ça serait quoi, une convention sociale ? De se marier. Non, je l'ai fait une fois et je me suis retrouvé veuf. Donc, si à chaque fois que je joue, je perds, je ne recommence pas. À qui vous refuseriez de serrer la main ? À personne. À personne. Et quand j'étais à l'assiette anglaise, j'avais eu une question que je posais souvent aux invités en disant vous passez près d'un étang, vous voyez Le Pen qui se noie. Est-ce que vous tendez la main ou attendez pas ? Ma réponse était je tends la main. Le mot d'amour pour vous le plus sensuel ? Le mot d'amour, je t'aime. Hein. Quel épitaphe vous aimeriez qu'on inscrive sur votre tombe ? Si un mec plutôt sympa. Le livre que vous auriez aimé écrire ? Une saison en enfer de Rimbaud, un chef-d'œuvre total. Est-ce que vous auriez aimé naître femme ? Oh oui, si c'était à refaire, j'aimerais bien, ouais, pour vous voir commencer de l'autre côté. Ouais, ouais. Et quelle est la chanson, Jean, qui vous rend heureux ? Joli môme, à chaque fois que j'entends ça. T'es toute nue sous ton poule. On le savait. Et ça rend heureux, ça, non ? Quoi ? Ça rend heureux, j'ai l'impression. Ouais. T'as le rimmel qui fout quand c'est dégèle des amants, joli mot. Ta prairie, ça sent bon, fais-en ton aux amis, joli mot. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté. Oh non, pourquoi vous avez chanté ? C'est trop bien. On voudrait l'entendre tout du long, tout du long, tout du long. C'est bien, ça. Ouais. Vous l'avez connu ou pas ? Oui, j'aurais pas dû. À la fin de sa vie, à son dernier concert à la Bastille, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit, et j'étais allé le voir et c'était pitoyable. Il avait une bande orchestre, la musique d'une chanson partait et il en chantait une autre. Oh là. Et c'était absolument affreux. Et puis au moment de partir, il y a une attachée de presse qui vient me voir en disant « Ah, je vous ai souvent entendu dire que vous adorez Léo, est-ce que vous voudriez le rencontrer ?» Moi, c'était mon idole absolue pendant toute l'adolescence. Et je suis allé le voir et au bout de 5 minutes, je l'ai trouvé puant, cabot. Et je suis parti en disant, ah putain, il ne faut pas rencontrer les artistes. Mmh. Le mieux qu'ils peuvent donner, c'est dans leur art. Mmh. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Verlaine. Verlaine était un mec épouvantable. Mais on ne peut pas demander à Verlaine de bien faire la cuisine, d'être poli avec la dame et de tout ça. Il est Verlaine, c'est déjà pas mal. Mmh. Et j'aurais préféré ne jamais rencontrer Léo Ferré. Donc il y a parfois un décalage, évidemment, entre l'artiste et le créateur. Et puis c'est normal, on ne peut pas être au niveau de son travail. Merci Yuko Minabe. Elle est artiste peintre. Elle expose au Salon d'automne du 13 au 16 octobre sur les Champs-Élysées. Elle exposait ce matin sur le plateau de Théo Café. Yoko Minabe est une artiste japonaise vivant entre Paris et Londres depuis plus de 30 ans. Sa peinture, elle est inspirée, dit-elle, des partitions de Jean-Sébastien Bach. Et de Vasarely. Et oui, pas loin, exact. Yoko Minabe, une artiste, donc femme. Un grand merci, Jean. Oh, c'est moi qui vous Alors, remercie. Alors, comme une respiration. Voilà, un bol d'air. On en a besoin. Ça apaise, ça fait du bien. Toutes ces petites histoires, tous ces fragments d'histoire, de vie, en définitive, se terminent bien. Ouais. Et c'est bien agréable. Et c'est chez Julliard. Et c'est Jean Tellet.
Un grand merci. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis, on croise les doigts, bien sûr, pour le succès de ce livre. Je sais que vous êtes un petit peu tendue. Samedi, nous serons en compagnie de la comédienne Christiana Reali. Et puis, dimanche, on sera en compagnie de la réalisatrice et actrice Nicole Garcia. Voilà, d'ici là, vous passez une très très belle journée, une belle semaine. L'émission, elle est rediffusée, hein, l'émission de Jean Tellet consacrée à Jean, elle est rediffusée en replay, sur notre site, sur la chaîne YouTube. En fait, on ne peut pas vous rater. C'est simple. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission, un nouveau thé au café. D'ici là, vous portez bien surtout. Merci Jean, à bientôt. Merci Catherine. Vous êtes en préparation d'un nouveau? Ah non, j'attends de connaître l'histoire bien de ce livre-là. Donc c'est une vraie pause, une vraie parenthèse. Ouais. Et vous vous consacrez à comme une respiration. Exactement. Au revoir. Merci.